Christ, lui, qui est l'accomplissement des Écritures. Et c'est une belle expérience d'Église de l'avoir vécu avec l'ensemble des paroisses du doyenné en cette année jubilaire, accompagnée aussi par vos pasteurs, avec les prêtres et aussi avec les diacres. La source du temple, de la divine miséricorde. Puis-je avouer que quand il a pris cette décision, je l'ai acceptée, parce que c'est le successeur de Pierre, mais voilà. Il l'a institué en 2000, et au fur et à mesure des années, je me dis qu'il a eu plus qu'une riche idée. C'est lui-même qui disait que la miséricorde est le deuxième nom de l'amour. Et le pape François, dans cette très belle bulle d'indiction introduisant le jubilé extraordinaire de la miséricorde, nouveau d'être rassemblés les uns avec les autres en ce soir, l'évoque en ces termes, permettez que je le cite quelques lignes. Nous avons tous besoin de contempler le mystère de la miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix, condition de notre salut. Miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Miséricorde, c'est le mot qui révèle le mystère de la Trinité. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu à l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché.
marche que nous avons commencée ensemble, elle va se prolonger. Le paradoxe a souhaité que nous puissions la poursuivre jusqu'à la Pentecôte 2018. Nous aurons encore bien l'occasion de nous retrouver pour marcher ensemble. D'ailleurs, notre jubilé a été présenté comme un pèlerinage, une marche que nous faisons ensemble. Marcher ensemble, c'est savoir que Jésus est à nos côtés. Le ressuscité marche avec nous, à nos côtés. C'est quand on n'avance plus que Jésus n'est plus là. Mais quand nous marchons ensemble, il est là. Alors le doyenné, ce sont les quatre paroisses. La grande paroisse de Cergy, la grande paroisse de Montréal, et puis l'Otil, et puis les deux petites paroisses. Mais bien solidement du départ. Monsieur le doyen, permettez que je vous interrompe. Il n'y a pas de petite paroisse, c'est toutes les grandes et belles paroisses. Il n'y a pas de petit diocèse, il y a que les beaux du grand diocèse. Pardon, monsieur le doyen. Mais c'est vrai que c'est une joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour marcher. Et on va remercier d'abord le Père Évêque de nous avoir rejoints, malgré qu'il sache que tous les chemins mènent toujours à la maison de tous les peuples, l'âme de tous les peuples. Peut-être pour son anniversaire, on va lui payer à nouveau au GPS pour qu'il... Donnez-vous la main. Merci au Père Jean-Marc qui nous a fait découvrir. Il a été un peu captivé quand il est arrivé à Cergy par l'axe majeur. Je crois qu'il y en a qui lui ont donné le goût de cette découverte. Et il nous l'a partagé. Et Jean-Marc a promis que même si des personnes souhaitent découvrir vraiment le sens de ce beau parcours, on peut le faire dans tous les sens. Et Jean-Marc est prêt, les samedis après-midi, parfois, d'organiser cette marche avec lui. Et il y a plein de choses à nous faire découvrir. Il a fait un magnifique livret. Ce n'est pas celui-ci, un beau livret. Merci à tous les confrères. Merci au Père Pierre, parce que c'est lui qui a essayé de travailler au livre. Il l'a imprimé, il a agrafé. Merci à toi, Pierre. Merci aussi à Gaël, qui nous accueille, puisque... Merci surtout à vous tous et vous toutes qui avez marché. Marché ensemble, que ce soit dans la salle ou que ce soit à l'extérieur, nous avons tous eu la chance de refaire ce beau pèlerinage, cette marche, cette longue marche, depuis le temps où Abraham se faisait connaître. Et puis nous avons entendu Moïse, et nous avons progressé jusqu'au moment où Jésus est venu nous dire combien son Père nous aide et que nous sommes aimés de lui. Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors là, il y a encore une série de Amen. Mais je ne peux pas hésiter. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà
ressuscité avec le Christ, vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Trois choses très brèves. La première, c'est que je m'associe à tous les remerciements, mais le doyen ne pouvait pas se remercier, donc on remercie aussi le doyen Bernard. Deuxièmement, je peux vous dire que je porterai la bonne nouvelle. Il y a des communautés quelquefois où les amen sont timides. Je donnerai votre exemple. Troisièmement, je vous souhaite une belle route. Vers la Pentecôte, je parle de la Pentecôte 2016. Chaque chose en son temps. Que ce soit un beau chemin pascal pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos familles, pour ceux qui vous sont chers et pour ceux que vous accompagnez. Voilà.